Hello bitches, this is Nick to today. Et attendez, je vais dire ça. Voilà. Et vous l'aurez constaté, nous ne sommes pas sur un rouge-feu original. Non, en effet, nous sommes sur PokéMMO, un jeu qui a été développé par des créateurs indépendants nommé Deezer et Squirtle, qui a été lancé en janvier 2012, qui est encore une version alpha et qui propose une version multijoueur sur Pokémon FireRed. Raison pour laquelle le jeu est en anglais, vous pouvez le voir, tout a été recodé, de l'équipe jusqu'au menu. Et la présence de joueurs un peu partout sur la map, avec lesquels on peut interagir. Vous voyez, si je fais clic droit par exemple, je peux cliquer dessus, duel, whisper, trade, add friend, block. Voilà, par exemple, alors. C'est donc un jeu qui se joue en multijoueur assez massivement d'ailleurs, parce qu'il y a du monde, il y a vraiment du monde sur ce serveur. Et pour vous le prouver d'ailleurs, je vais vous montrer juste Pallet Town, c'est juste, je pense, le coin le plus épique du jeu. Il y a 3 personnes, t'es sérieux? Oh, je suis choqué. Ah, il y a du monde ici. Là, il y a du monde. Enfin bref, il y a du monde un peu partout. Donc voilà. Alors, si je vous fais des vidéos sur ce jeu, c'est tout simplement parce que je ne souhaite pas m'étendre plus longtemps sur Rougefeu de base. J'ai quelques problèmes, c'est-à-dire que déjà, ma sauvegarde a planté. Dans un premier temps... pour couronner le tout, je n'ai vraiment, mais vraiment plus envie de refaire l'aventure déjà d'une part et de la continuer. Vous avez trouvé ça peut-être égoïste, mais je n'ai pas l'envie de le faire, de toute façon, ça sentira dans la vidéo et oh putain, ça sentira dans la vidéo et vous verrez bien que je me fais chier à le faire et c'est vraiment pas le but. Donc là vous voyez, putain, là ça prouve ce que je me disais, parce qu'il y a vraiment du monde ici. Et il y en a tout autant à Jadiel. Voilà, donc c'est un jeu massivement multijoueur. Donc Rougefeu, oui, je ne compte pas m'étendre plus longuement sur le sujet. Ça ne... Oula, j'ai eu un lag là. C'est particulier, mais je ne veux plus le continuer. Je pense que je vais mettre les épisodes de 1 à 5 en privé. Et si jamais un jour, je sais pas, d'ici peut-être 2, 3, 4 mois, 1 an, je décide de recontinuer l'aventure, je me referai une sauvegarde jusque-là. Et puis, bah écoutez, je retournerai des épisodes, mais pour le moment, clairement... Je n'ai pas l'envie de le faire. Je le fais probablement, mais je le ferai vraiment off et je vous posterai ça quand j'aurai fini la série. Mais je ne pense pas reprendre une série d'un tel type avant un bon moment. Donc ça inclut tout type de let's play, ça va de soi. Autre chose donc, puisque je suis sur PokéMMO, en fait j'en profite pour vous le dire, je ferai sûrement des vidéos détente dessus en compagnie de Visio Space, de John, de tous ceux qui jouent avec moi, où on se fera sûrement des sessions de matchs, de défis, de n'importe Nawak. Ce sera vraiment l'ouverture du Nawak mode, parce que c'est vrai, je voulais faire des vidéos détente du style Nawak mode, mais j'avais jamais vraiment trouvé sur quoi le faire. Il y avait bien Minecraft, j'ai pas coupé en moi. Donc voilà, j'ai pas tout ce que je voudrais. Donc voilà, c'est assez chiant. Alors, puisqu'on est sur cette vidéo, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'étendue du jeu, étant donné que c'est un jeu qui se joue multijoueur. Vous pourrez même jouer avec moi, je vous ajouterai dans ma liste d'amis dès le moment où vous jouerez ensemble. On a un système de vocal pour jouer ensemble si jamais vous le voulez, c'est TeamSpeak. Je vous mettrai l'adresse du TeamSpeak dans la description, ça va de soi, et peut-être un lien pour le télécharger. Non, en fait, il y a Google pour ça. Alors, vous voyez, j'ai déjà plein de Pokémon, j'ai du Aeromy, du Kangourex, du Ronflex. Il me semble même que j'ai une deuxième boîte de Pokémon, puisque j'ai deux ou trois Pokémon, ah non, un seul. J'ai Bejejo, dédicace à toi.
Donc voilà, j'ai pas mal de Pokémon, des Pokémon de divers niveaux avec une bonne team déjà. Je commence à entraîner mes Pokés maintenant, sachant que j'ai tous les badges, hein, ça y est. Je compte me faire plusieurs Pokémon parce qu'on peut défier des joueurs. Donc attendez, je vais essayer de me faire un défi, mais pas ici. Je vais pas me faire un défi ici parce que. Voilà. Alors je peux me faire un défi ici. Donc je disais, puisque il y aura peut-être beaucoup de level. Beaucoup de level dans le sens où moi j'aurai beaucoup de level. Moi je vais en défier un des deux là, genre ASDFF. C'est l'heure du duel. On va voir s'il accepte. En attendant, je vais faire un tour. Il a pas l'air de vouloir spécialement se battre. D'ailleurs, je vérifie que je suis soigné. Donc, vous voyez que l'interface est vraiment très très bien fichue. Donc, Botaim, il a refusé. Non, il n'a pas répondu sur tout ce qu'il a FK sûrement. Vous voyez que là, on voit les Pokémon, les trucs, tout ça, la nature. Alors, le jeu est en anglais, je sais. Mais en soi, c'est pas tellement gênant. Il n'y a pas vraiment de trucs de fou à connaître. En plus, il y a beaucoup de forums qui vous font les traductions. Je vais citer Pokébip par exemple. Vous pouvez un peu regarder les fiches Pokédex. Vous voyez donc les stats, les EV aussi. Les stratèges n'ont pas été laissés pour compte. D'ailleurs, vous voyez que je suis en train de lever mon Aérodactyl. Au niveau des EV, tout ça, donc je galère un petit peu parce que je l'ai fait à la main. J'ai l'habitude du PokéSave de l'époque où je joue avant dans la stratégie. Vous avez les attaques et tout ça. Donc, je trouve que le menu est bien fichu. C'est bien ficelé comme jeu et vous avez la possibilité également d'esquiver les dresseurs basiques du jeu, donc les PNJ. Il s'avère que moi je leur casse la gueule quand même. Du simple fait qu'il faut que je m'entraîne. Hop! Alors vous avez également remarqué que Mpeta s'est habillé en noir. C'est simplement parce qu'on peut changer la couleur des bonhommes quand on choisit son personnage. Donc là vous voyez, là il y aura sûrement beaucoup de monde. Ouf, il y a du peuple. Voilà, il y en a des bleus, des cyan, des verts, des noirs, des rouges. Il y en a de toutes les couleurs, c'est un véritable putain d'arc-en-ciel. Ouais. Donc moi j'étais parti sur l'entraînement de Tortank et de Magneton. Par contre je vais sortir d'ici. Hop. Bon, il y a personne qui veut se battre, c'est pas très cool. On voit également qu'il y a un système de chat pour parler avec tout ce joyeux peuple. Et donc, comme je le disais, je ferai des vidéos détente sur ce jeu pour vous divertir et puis pour vous présenter un petit peu le jeu. Alors, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu fais pas ton let's play là-dessus? Bah, regardez, j'ai déjà fini le jeu et même si je peux faire une nouvelle sauvegarde parce que. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il faudrait que je déconnecte et j'ai pas envie. Je peux faire un nouveau jeu, mais clairement, j'ai pas l'envie de le faire. Surtout que le jeu n'est pas fini. Certains trucs ne fonctionnent pas parce que le jeu est en version alpha encore. Donc, il est mis à jour assez souvent et il est bien tenu comme projet. Donc, vous allez largement pouvoir avoir de quoi. Attends, lui, je vais le défier. Putain, viens ici, salope. C'est l'heure du. Ah! Ah! Voilà, ça c'est chiant, putain. Hop, hop, hop. C'est l'heure du duel. Allez, Tyler, bats-toi, s'il te plaît. S'il te plaît! Même si tu pètes la gueule, il la rejette. Oh. Sniff. Voilà, donc le jeu se joue beaucoup en multijoueur. Vous l'avez vu, on peut communiquer avec tous les joueurs du jeu. Après, c'est à soi-même de se limiter ou pas en fonction du niveau. Annie CM Online. Alors, CM, c'est les modos. Du jeu, il y a des admins aussi, donc voilà, c'est bien géré. Il y a plusieurs channels, vous voyez, il y a le channel normal, chatbox, whisper pour ceux qui vous parlent en privé, les trades, moi je désactivais parce que je compte pas faire d'échange tout de suite. Le global et channel, c'est différentes
trucs de channel, enfin bref, il y a le bordel. Vous pouvez parler à certains types de personnes, vous pouvez parler et voir certains messages. Donc voilà, je trouve que le jeu est vraiment bien fichu. J'espère que vous viendrez y jouer parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être joué online. Et puis en plus, vous pourrez faire des matchs contre moi. Et puis moi, j'ai très envie de vous affronter, de faire des échanges avec vous. Bref, de jouer à Pokémon. On a tous rêvé, je pense, d'avoir ce jeu au moins une fois sur Game Boy quand on y jouait. Clairement, un Pokémon multijoueur, c'est juste une des plus belles inventions. Après le principe de Pokémon Gem, je pense, qui fournit les 4 régions, je pense que le multijoueur comme ça sur Pokémon, je pense que c'est à l'heure actuelle l'une des meilleures idées. Tiens, il y a une bête que j'ai pas récupérée ici. L'une des meilleures idées du jeu, et je pense que ce serait dommage de ne pas y jouer. Surtout que peut-être qu'il y aura des ajouts, sûrement Johto, peut-être Hoenn. Pas plus, je suppose, puisque ça se limite à la troisième génération, et ça c'est bien d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la troisième génération. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne serez pas trop déçus du fait que j'arrête Pokémon Rouge Feu. Comprenez bien que si je l'arrête, c'est dans votre bien, hein. C'est pour votre bien, c'est dans votre intérêt, c'est pas seulement dans le mien. Donc voilà, j'espère que vous le comprendrez. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Si vous voulez jouer avec moi, je vous laisse un lien dans le descriptif vers le TeamSpeak d'Unstoppable Warrior. Vous pourrez me rejoindre et puis on pourra jouer tous ensemble, faire des combats. Et puis sûrement, je vous aiderai à avancer dans le jeu. Même si Pokémon, on le sait tous, c'est d'une simplicité enfantine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous à tous. Ciao, bitches!